En effet, c'est synonyme de réjouissance pour beaucoup de gens, mais ce n'est pas le cas pour les enfants malades qui se retrouvent à l'hôpital. Un des services de police de Laval a cherché à leur transmettre un peu de réconfort à quelques jours de Noël. Absolument. Et l'objectif, Michel, bien simple, bien clair, c'est de faire sourire ces enfants qui sont hospitalisés. On approche le temps des fêtes, officiellement Noël, dans quelques jours. Et ce qu'on a vécu ici à la Cité de la Santé de Laval ce matin, c'est beaucoup de bonheur parce qu'il y a des policiers du service de police qui sont descendus en rappel, Michel, faire des petits coucous en Père Noël, en lutin aussi. Voyons ce que ça donne ensemble. On est en opération présentement pour les membres de la Cité de la Santé, le personnel hospitalier, mais surtout pour les enfants. On est là pour ramener un petit peu de joie, un peu de bonheur. On sait qu'il y en a certains qui vont passer un petit moment difficile avant le temps des fêtes à l'hôpital. Maverick, regarde en haut. Regarde là. C'est pour ce genre de journée-là aussi qu'on est policier, j'imagine. Ben oui, tout à fait. Ça fait partie du mandat de la police, justement, de redonner à la communauté. Ouais! C'est un bel addon, en fait. Un petit rendez-vous en médecine d'un jour, puis après une belle surprise comme ça, c'est le fun, quand même. Hein? Tu bébé, t'es content? On a plusieurs événements dans lesquels on redonne à la communauté. Le 9 décembre, on était au lancer du toutou en partenariat avec le Rocket de Laval. On a récupéré 12 402 toutous. En fin de semaine dernière, c'était l'arbre du partage. On a donné 430 cadeaux à des enfants dans le besoin. Et puis aujourd'hui, on a le groupe tactique d'intervention, le GI, qui descend en rappel, en Père Noël, en lutin. Alors voilà un peu comment ça s'est passé. Michel, le petit Maverick que vous avez vu dans ce court montage, là, 17 mois, c'est ce que me disait sa maman. Peut-être passage ici là parce que bon, il y a une otite qui se prolonge, tout ça. Donc il a été chanceux. Des enfants, là, c'est vraiment pas drôle. Et ça apporte un peu de réconfort, on peut le comprendre, bien sûr. Il y a également le directeur du service de police de Laval, là, M. Pierre Brochet, qui est venu faire son tour ce matin. Alors ça s'est passé à la Cité de la Santé. 4-5 descentes comme ça, et ça fait bien du bien. Ça a mis le sourire au visage de bien des enfants, malheureusement, qui vivent des temps difficiles. Merci beaucoup, Andy.